Chers internautes, bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux chauves-souris et plus particulièrement comment construire un nichoir à chauves-souris. Il faut savoir que la chauve-souris, eh bien, c'est un mammifère qui est indispensable à notre écosystème. Il va avoir un rôle de régulateur puisqu'il va pouvoir consommer jusqu'à la moitié de son poids en moustiques, insectes et autres araignées. Il faut aussi savoir que les chauves-souris ont un taux de disparition de 38% depuis 10 ans en France, ce qui est assez dommageable puisqu'elle est un réel avantage pour nos jardins, nos potagers et pour la biodiversité en général. Une chauve-souris va vivre en moyenne 30 ans, ce qui est assez exceptionnel en termes de longévité pour la taille de ce mammifère. Elle va avoir un rôle de pollinisateur et aussi de dispersion des semences, un avantage donc certain. J'ai envie de vous parler d'une étude qui a été réalisée en Floride, à Gainesville, où ils étaient envahis par des milliers et des milliers de moustiques. En 1991, ils ont décidé d'arrêter les insecticides chimiques et ont construit un nichoir à chauves-souris. Au bout de 7 années, le pari est réussi puisqu'environ 70 000 individus de chauves-souris se sont installés dans cet énorme nichoir et elles vont consommer jusqu'à 60 millions de moustiques uniquement par nuit. Avant de passer à l'explication de la création du nichoir, je voulais vous faire part d'une dernière information qui est très intéressante puisque des études sont menées sur les chauves-souris afin de comprendre comment elles peuvent vivre aussi longtemps en bonne santé tout en hébergeant de nombreuses maladies. Il faut savoir que les chauves-souris n'ont aucune tumeur lorsqu'elles vieillissent. Il est donc ainsi intéressant d'étudier comment elles font pour ralentir leur vieillissement et aussi leur capacité à réparer leur ADN. Elles détiennent donc la clé pour se régénérer, ce qui est intéressant pour les humains comme vous, qui pourraient à terme en bénéficier et vivre donc aussi longtemps que moi. Passons maintenant à la construction de ce fameux nichoir à chauves-souris. Nous avons donc installé le nichoir à chauves-souris que vous voyez juste là à ma gauche. Il est environ à 2,50 m du sol. On l'a installé sur la cabane qu'on a construite pour ranger notre matériel. Pour cette construction, je vais vous passer les images à côté pour que vous puissiez comprendre parfaitement comment il a été fabriqué. Dans un premier temps, vous allez avoir besoin de planches en bois brutes et non traitées, brutes, non poncées également. Ici, on a des planches d'environ 3 cm d'épaisseur, mais si vous avez des planches de 2 cm, ça conviendra aussi. Il faut que ce soit quand même des planches assez solides et épaisses. Ici, je ne vais pas vous donner de dimensions ou de cotes pour respecter et faire ce nichoir. Il n'y a pas vraiment de taille standard, vous pourrez faire la taille que vous le souhaitez. Ici, pour ce nichoir, on a fait un nichoir à double entrée. La seule dimension que vous devez respecter, eh bien, il s'agit ensuite de la largeur du tasseau qui va correspondre à 2 cm de largeur en fait pour l'ouverture où la chauve-souris va pouvoir rentrer. Donc 2 cm, c'est la taille idéale d'ouverture de votre nichoir. Ensuite, ce qu'il est important de faire, eh bien, ce sont des rainures que vous allez pouvoir faire à la scie juste avant l'entrée ce nichoir afin que la chauve-souris puisse s'agripper facilement pour rentrer à l'intérieur. Pour terminer, vous allez pouvoir évidemment mettre un toit sur cette structure. Ici, pour nous, on a récupéré un bout de tôle que nous avions sur le terrain pour faire le toit. Ainsi, l'abri à chauves-souris est terminé. Pour notre part, nous avons déjà beaucoup de chauves-souris ici sur le terrain de Green Valley, mais on a décidé d'en faire un pour vous montrer les différentes étapes de création d'un nichoir. Pour ceux qui ont peur des chauves-souris, il n'y a pas d'inquiétude à avoir puisque vous allez avoir plus de chances, entre guillemets, de vous faire piquer par un moustique porteur de maladie que de vous prendre une chauve-souris dans les cheveux qui se serait perdue par mégarde et qui vous grifferait dans la bagarre. Cette vidéo est maintenant terminée. Je ne vous dis pas à bientôt.